quoi t'as pendant tes vacances? Ah, j'ai été aux États-Unis à Los Angeles. C'était trop bien. Ah, t'as du temps. Je suis éclatée comme un fou, mais toi, c'était rapissant. Et toi, t'as fait quoi? Moi, j'étais en Espagne avec ma famille. Nous, on était en Italie. Il fait beau là. Ta sœur, elle a grave changé. Ouais, elle a pris du poids quand même. Ah, elle arrive, Betty là. Salut petit là. Ça va, ça va. Mais sinon ça va être aussi, je crois, à l'étranger, non? Ouais. De toute façon, je constate que tout le monde est présent. En revanche, la tenue de sport en option, encore une fois. C'est pas grave. Vous courez en chaussures. Aujourd'hui, course pour tout le monde. Bettina, je constate que les vacances, ça t'a pas tellement profité. On va faire des efforts quand même. Ok? Bon bah allez, c'est parti, on y va, en route. Madame, on a trouvé un bon enchaînement. Montrez-moi les filles. Super, canon. Bettina, s'il te plaît. Il va falloir essayer aussi, hein, parce qu'à un moment donné, t'es notée. Hein, donc je suis désolée, Amélie, mais... Va falloir y aller, on lève les fesses. Tu penses que ça va y aller? Ouais, ça va y aller. T'es sûre? Ouais. Au pire, je t'aiderai. Non. Je suis là. Ouais. Allez. C'était dur quand même. Ça va? Ça va. J'en ai marre, je suis dégoûtée. Madame Chilou, elle est trop sur moi. Vous trouvez pas les filles? Si. Si, elle est trop sur toi par rapport à ton poids, enfin, ça se fait pas en fait. Pourquoi? Mais après, si t'es bien dans ton corps, on peut rien y faire. En plus, ça fait depuis un petit moment qu'elle est sur toi. Ouais. Après, si elle continue, on ira la voir et on lui dira ce qu'on lui en pense. Ouais, vas-y. Au pire, on fait comme ça. Au pire. T'as dit quoi, ça va? Ouais. C'est bon. Merci les filles. Bonjour à toutes. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui c'est basket, on va faire deux équipes. Bon, je pense que pour prendre Bettina dans votre équipe, ça va être compliqué. Mais au pire, Bettina, pour marquer le panier, je te porte. Bah non, je le fais. Oh, le prends pas comme ça, Bettina. C'est bien que c'est compliqué, mais bon, on va y arriver. Ça se fait pas, non, madame, on a marre de vos critiques. Ça fait beaucoup, depuis beaucoup de temps, vous êtes sur son dos quand même, je la comprends. Mais je lui ai dit rien de mal, faut c'est arrêter de paniquer. Non, madame, c'est pas parce que vous êtes prof que vous avez le droit de dire... Oh Bettina, c'est tout, okay, allez, reviens, on va faire ce que là, bah, y a... C'est pas ce que tu dis. Madame, il y en a marre avec ces critiques. Ça me fera court aujourd'hui. Non, non, vous, hey, vous restez là. Non. Mais j'y crois pas là, hey. Vous revenez, on a cours de sport. Bettina, c'est pas à ce point quand même. Non mais vraiment, on fait sport. À chaque fois, là, à chaque cours, elle la critique. Mmh. On le dit. Tu te sens capable de le dire? Ouais. Tu te sens capable? Bah, allez, on y va. Quel que soit le type de harcèlement, quelles que soient les personnes impliquées, le principal est d'en parler.